Mais là, tu vas courir où? Dans la rue comme un fou. Mais Sans jamais, arrêt. on part dans 10 jours en vacances, tu vas pas pouvoir perdre 5 kilos. Au Paris. En 15 jours, là. J'imagine. Au Paris? Je te le Vas-y, souhaite. prends la pesée. Vas-y, Vas-y, la regarde-moi les balance. pieds. Wow. 85. En 10 jours. 10 jours, je suis à 80 ou 79. Bah écoute, on va Ah, mais surveiller ça. pas besoin de régime, ni rien. On va voir. Parce que à chaque fois qu'on part en vacances, tu fais toujours le même scénario. Aux Maldives, tu nous as fait le même scénario. À Marrakech, tu nous as fait le même scénario. Je vais perdre 5 kilos. Après, j'étais enceinte, je voulais pas continuer. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui avec cette chaleur. J'ai mis une jolie robe comme ça qui vient de chez Mango. Par contre, je ne sais pas comment l'accessoiriser. Je ne sais pas si je mets du marron ou du blanc. Je vais vous montrer et on va l'accessoiriser ensemble. Je ne sais pas si je mets mes claquettes blanches avec un sac de couleur claire ou si je mets mes claquettes marron avec un sac marron avec la robe noire. Vous êtes team marron ou blanc? Alors, je vous montre avec le sac marron et les claquettes marron ce que ça donne. Ça fait très joli aussi. Et je vais vous montrer avec les claquettes blanches et le sac clair. Donc, voilà ce que ça donne avec le sac beige et les claquettes blanches. Du coup, j'attends votre avis si je mets les blanches ou les marrons. تيجي مع مين؟ سيبك من كارتة المواقع وتعالى نتنطط في الواقع، اخرك جس وبتجيب راجع، يطلع لي في شبكة Les filles, le programme aujourd'hui on a rendez-vous avec la pédiatre de Isaac. Donc on va le peser, je vais demander l'ordonnance pour le vaccin BCG qui sera possible d'effectuer à partir du 5 juillet. Donc sans ça, je peux pas voyager. Donc voilà, on va faire le petit rendez-vous chez la pédiatre qui est obligatoire. Et ensuite, je pense qu'on va aller manger une glace et on va rentrer à la maison parce qu'il fait tellement chaud. Donc ça, le rendez-vous, il est sous les coups de 15h30. On va dire que la température a commencé à redescendre. Bon allez les filles, let's go, go rendez-vous. Ça va faire du bien de sortir un petit peu. Et ça fait combien de temps là? Je suis pas sortie encore. 2 jours. 2 jours. Je vais rester en hibernation. Et après les filles, on ira manger dans un restaurant brésilien qui me donne trop envie. En fait, vous savez, c'est les espèces de broches qui viennent découper comme ça la viande. Ma belle-sœur et ma belle-mère, ils avaient déjà été. Du coup, là, il y en a un autre qui a ouvert. On va aller dans le nouveau. Donc tout à l'heure, on va aller manger dans le resto brésilien. Bonne question. J'ai mis un débardeur d'allaitement en dessous. Donc j'enlèverai juste le haut. Je garderai ma jupe et je lui donnerai avec mon débardeur. En fait, c'est un débardeur noir qui va jusqu'à là, spécial allaitement. Comme ça, je l'allaite. Après qu'il a terminé, je remets mon haut tranquillement. Bon, moi, j'ai un petit débardeur et j'ai pris aussi un linge pour pouvoir cacher comme ça. On va s'habituer petit à petit, on va trouver des petites tenues plus adaptées aussi, mais bon, c'est pas toutes les tenues qui sont adaptées pour pouvoir allaiter. De quoi? Je trouve ce docteur.
Les filles, le rendez-vous il s'est bien passé, mais franchement c'était bizarre. Hein. Jamal il a pas aimé. Ah Jamal, lui. Écarter la jambe, pas. Il l'a trouvé trop brusque. Elle était violente. Non, pas violente, elle était un petit peu brusque. Elle a dit faut lui luxer la hanche. Elle a fait rare. Bon, franchement, on a fait les examens et tout, on a pesé le poids, le tour, le cœur, etc. Mais pour le suivi des 6 mois, une fois par mois, on va prendre une autre pédiatre, on va changer. Là, c'est parce qu'il fallait que je trouve un rendez-vous là ce mois-ci. Et t'as pris les papiers pour le vaccin ? Ouais, tout mis dans le sac. Et en plus, elle nous a fait partir vite. Ouais. Elle nous a fait partir vite. Genre, elle a fait allez, elle a pris mon sac et tout, elle a dit allez, ça y est. Elle nous a mis à la porte. Alors là les girls, j'ai la plus grosse offre que j'ai jamais eue pour la marque Musky Intime. Vous savez que c'est ma marque préférée, vraiment c'est une marque que j'aime d'amour. Là les filles, je vais vous dire directement l'offre avant de vous décrire mes produits préférés et l'utilisation des produits. Les filles, je vais avoir moins 30%, c'est extrêmement rare que j'ai moins 30%. D'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai pas eu un code Musky Intime. Plus le déo d'une valeur de 17,90€ les filles qui va vous être offert. Le Crazy Passion, ce déo là les filles qui sent l'été, vraiment c'est le déo à avoir pour l'été. C'est vraiment summer, fruit de la passion, il sent tellement bon les filles. Celui-là cadeau, plus moins 30%. Donc là les filles, celles qui ne connaissent pas Musky Intime, je vais vous la faire découvrir la marque. Pour celles qui sont habituées, qui veulent faire leur stock, profitez des moins 30% et du déo offert. Alors moi les filles, vous savez que c'est ma marque préférée. Je trouve que ces trois produits les filles, c'est des indispensables. C'est vraiment des produits que j'embarque partout avec moi. La mousse nettoyante intime qui est vraiment top de chez top. Celle-ci les filles, c'est la Crazy Passion. Quand je vous dis qu'elle sent l'été, le fruit de la passion, la mangue, vraiment odeur de coco aussi. Celle-ci les filles, vous allez adorer. Vraiment cette odeur, elle est incroyable. Moi j'ai mes préférées, c'est l'odeur classique, c'est l'odeur musc blanc. J'aime beaucoup aussi l'odeur envoûtante, c'est une odeur très sucrée. Mais vraiment la gamme Crazy Passion, c'est vraiment une gamme. Retour que je reçois, que ce soit de vous ou même de ma propre famille, que ce soit mes belles-sœurs, Juliette, ma belle-sœur, la sœur de Najette, la sœur de Jamel, elle n'utilise que ses déos et elle les prend par 6, même pour sa fille qui est une adolescente. Et vraiment, il n'y a que ses déos qui sont efficaces pour pas la faire suer, etc., qui sont vraiment de longue tenue. Donc celui-ci, les filles, je vous le conseille fois 1000, que ce soit le Crazy Passion ou le musc blanc ou l'envoûtant, peu importe les odeurs, les filles, je les aime tous moi chez Musky Intime. Après, j'ai mes chouchous, mais vraiment celui-ci, vous n'allez pas être déçus. Et vraiment, le best-seller chez Musky Intime, le gel parfumé. Donc, c'est le gel que je vous parle tout le temps. C'est le Musky Intime, c'est le classique, vraiment, ça, c'est le best-seller de chez Musky Intime. Donc, c'est un gel, les filles, que vous allez venir appliquer sur les zones chaudes. Donc, soit vous l'appliquez ici, sur les coudes, sur les poignets, derrière les oreilles, dans le cou, entre les cuisses, vraiment, vous l'appliquez sur toutes les zones chaudes, les filles, et ça va dégager une odeur, mais incroyable. Je vais vous montrer les filles la texture. Donc c'est une texture assez épaisse comme ça, vous voyez. Et vous allez venir ça les filles, ça se suffit. Vous n'avez même pas besoin de rajouter parfum parce que quand je vous dis que l'odeur elle est concentrée et ça suffit. Donc vous mettez derrière les oreilles, dans votre cou, sur vos jambes, sur vos cuisses, vraiment où vous voulez que vous soyez parfumé et ça va rester toute la journée. Et vraiment l'odeur les filles de la gamme Crazy Passion, quand je vous dis c'est l'été, vous avez envie de la croquer, de la manger. Elle est incroyable cette odeur. Donc là, c'est la première fois que j'ai une offre aussi grosse, moins 30% et le déo qui vous est offert. Ça, j'ai jamais vu chez Musky Intime, le déo qui va vous être offert. Donc profitez-en de cette offre qui est vraiment topissime.
Balade au parc, ça fait du bien de voir la lumière du jour, de prendre un petit peu l'air avec mon fils. Hop. Bon, déjà, ces poussettes-là sont pratiques parce qu'elles sont tout terrain. Donc ici, dans les graviers comme ça. Les filles, on est en train de tester la poussette. Il a mis l'assistance et là, avec un doigt, en fait, ça monte la pente. Tu sens ou pas que ça... Genre là, là, enlève tes mains. Trop bien. Pour mon plus grand plaisir, on va aller manger de la viande. Je crois qu'il y aura du poisson pour toi. Les filles, on va venir manger à Obrigado Rodizio. C'est un restaurant de viande. Il est vraiment pas mal. D'ailleurs, c'est un nouveau celui-ci à Évry. Il y en a partout dans Paris. Et là, ils en ont ouvert un à Évry. Il est vraiment canon le resto. Alors les girls, la terrasse de dingue qu'ils ont en plus du restaurant intérieur, elle est gigantesque. Donc là aujourd'hui c'est la soirée d'ouverture. Oui. C'est trop trop bien, nous on va se poser sur les canapés là. Allez, ching! Alors moi, les filles, j'ai pris un Virgin Mojito et Jamal, il a pris une Piña Colada. Look lemon. Look lemon. Citron. Citron. On va pas tout tout. Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ. Ei, ei, ei. Olha pro DJ empinar a e começa a dançar. Taca beijo nessa novinha. Taca beijo nessa novinha. Taca beijo nessa novinha. Empina a bunda e começa a dançar. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Alors moi je me suis fait une petite assiette. J'ai pris des petites entrées. J'ai pris des alocos, des frites, du riz sauté, des petites pommes de terre. Alors là les filles, on a du pain à l'ail. Exactement. Bien assuré dans la samarina. Trop bien. Ouais. C'est des ailes de poulet qu'on voit beaucoup. Trop bien. Donc les filles, faut savoir que même les viandes sont à volonté. Tout est à volonté. Alors je vous dis les filles, c'est vraiment un régal. Moi qui aime trop la viande, je me régale. C'est trop trop bon. Même les accompagnements. Le riz sauté là, ce riz là, je crois que c'est un riz brésilien. Il est incroyable. C'est trop bon. En plus ils ont des alocos. Moi vous savez comment j'aime trop les alocos. Olha pro DJ, olha pro DJ, olha pro DJ. Ei, ei, ei. Olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar. Là, Isa qui s'est réveillée, il a dormi longtemps. Bon là les filles, ça y est, on rentre à la maison. J'avais mis mon petit linge parce que j'avais donné la tête à Isaac avant de démarrer. Toc.
Et là, go à la maison. J'ai hâte de mettre en pyjama. En tout cas, c'est une bonne journée. Et franchement, le resto était super bon. Je vais grave y retourner avec ma belle-mère et ma belle-sœur. Eux, ils connaissent déjà parce qu'ils avaient déjà été dans un autre. Ils m'en avaient déjà parlé. C'est pour ça que j'ai voulu tester. Et on va grave y retourner en famille, je pense, la semaine prochaine. On va se faire un bon resto avant que tout le monde parte en vacances.